La comédie est un art complexe à maîtriser au cinéma, et il est très facile de tomber dans la caricature pure et simple du genre, comme le font beaucoup de réalisateurs américains. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui va à l'encontre de tout cela et cherche à livrer des comédies qui jouent avec les codes du genre et se renouvellent constamment. Adam McKay est un réalisateur d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 11 ans. À la base auteur pour le célèbre show Saturday Night Live ou SNL, il a su rapidement s'imposer dans la production audiovisuelle comme un auteur comique unique. Un auteur qui comprend l'essence même des différents genres de cinéma pour mieux user des styles et des manières de ceux-ci et offrir un divertissement comique décalé. Il serait facile de cataloguer McKay dans le genre de la comédie potache, dans le sens où ses films sont jalonnés par un humour que beaucoup qualifient de graveleux ou lourd. Mais il faut voir un vrai détournement dans l'idée même du cinéma de McKay, une conception de la comédie dans la pure veine du pastiche qui cherche à jouer avec le spectateur et ses connaissances cinématographiques. McKay comprend que le spectateur connaît le cinéma, ou en tout cas les différents genres qui l'entourent, et décide de jouer avec cela pour donner un caractère et une certaine trempe à ses films, jouant toujours ou presque la carte du pastiche, en détournant un film en particulier ou les codes d'un genre, il donne ainsi à ses longs métrages une patte qui se reconnaît tout de suite, celle d'un cinéma populaire qui voit son esprit distillé dans une comédie décalée. Ainsi, là où la plupart des réalisateurs recherchent simplement à créer un univers pour créer du comique, McKay recherche lui à prendre un univers déjà en place pour en détourner tous les aspects et les personnages et faire en sorte que ce soit eux qui sortent de cet univers pour y amener de la comédie. Le réalisateur américain saisit alors l'essence même d'une comédie, comprenant que la situation peut être encore plus drôle si elle est simple, mais que ce sont les personnages qui deviennent les véritables éléments comiques. Ainsi, ses protagonistes deviennent l'essence même de ses pastiches, ces univers collant presque toujours à la référence qu'il met en avant, comme la démonstration de la folie du monde, mais comme un exutoire comique et non dramatique. Il donne ainsi une dimension ultra réaliste à ses métrages, pour mieux faire en sorte de placer son message humain derrière des aspects de comédie loufoque, en parlant de l'évolution de l'information, de la place de la famille et des États-Unis au cœur d'un foyer, ou du monde financier et de sa corruption, McKay parle de notre monde avant de s'en éloigner par la comédie. Le cinéma de McKay, c'est bien plus que des bouffons qui vont devenir les clowns du spectateur. C'est avant tout un regard sur notre société, sur nos actions, sur ce qui nous entoure. On ressent une nécessité de la part de McKay de vouloir parler de ce qui nous fait peur aujourd'hui, de l'idée de s'engager, de l'idée de se prendre en main et de regarder le monde comme un défi et non comme quelque chose que l'on devrait craindre. C'est ainsi que McKay regarde le monde et c'est ce qui fait son succès aux États-Unis et son échec dans des pays comme la France. Celui-ci parlant avant tout des mythes américains, même si son message est universel. Beaucoup ne semblent voir dans le cinéma de McKay qu'un délire exubérant, là où le réalisateur américain voudrait plutôt nous faire réfléchir sur nos actes et nos rêves. Même si ses personnages et ses récits sont loufoques, le monde de McKay est ancré dans notre réalité de manière dramatique, et même parfois totalement tragique. Mais là où le monde devrait s'écrouler, McKay cherche toujours à faire en sorte de lui donner un sens comique, comme un espoir face à la déchéance de l'humanité, comme l'idée que le cinéma pouvait voir ce qu'il y a de bon en l'homme, là où beaucoup ne font qu'y voir du mal. Plonger dans le cinéma d'Adam McKay, c'est essayer de comprendre notre monde au travers de ses points positifs, plutôt que de ses points négatifs comme on le fait trop souvent. Sous ses airs de potacherie ou de comédie loufoque, le cinéma de McKay veut simplement nous prouver une vérité, on voit mieux le sens de notre société avec des rires qu'avec des pleurs.